Shalom, 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 bien-aimés frères et sœurs. Nous sommes très heureux de vous retrouver en cette veille de traversée 2021. Nous sommes ici en direct du centre Kodesh pour vous parler de cet événement, car c'en est un prévu demain. Et nous ne serons pas seuls dans cet instant. Nous allons prendre quelques minutes de votre temps. Nous ne serons pas seuls. Et pour commencer, nous sommes avec le pasteur Gérard. Bonsoir, pasteur. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir pour parler de quelque chose qui nous tient à cœur à l'église Vase de. C'est la traversée et c'est demain. Amen. Shalom à tout le monde. Bonsoir à tous. Effectivement, on va dire jour J moins 1. C'est demain la traversée 2021. Il y a eu plusieurs traversées. Je crois que cette traversée-ci sera encore plus glorieuse. Vous savez déjà, la Bible dit qu'avec Christ, on ira de gloire en gloire. Mais pour ma part, particulièrement cette traversée, il ne faut pas la rater. Il ne faut pas la rater. Je sens que Dieu, dans cette traversée, va déverser une pleine grâce. Une pleine grâce. En tout cas, j'entends le mot grâce. Dieu va, comme Pierre pourrait le dire en 1 Pierre chapitre 1, verset 2, que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Je sens que Dieu va déverser des grâces en abondance sur le peuple qui va venir. Alors, toi qui m'écoutes et qui en direct, en tout cas, ne rate pas. Viens bénéficier de la grâce favorable, abondante de notre Seigneur Jésus-Christ. En tout cas, soyez présents dès demain à partir de 16h. Les places sont déjà ouvertes à partir de 16h pour ceux qui veulent prendre les places, les premières places. Et de 21h à l'aube, nous démarrons effectivement cette grande traversée 2021. Comme le Père, notre Père spirituel a dit, ne te laisse pas manquer ce grand jour, ne rate pas ce grand jour, viens annoncer pour 2021 des grandes choses sur ta vie. Que Dieu vous bénisse et à demain. Par la grâce de Dieu. Amen, amen, amen. Donc c'est une invitation claire, nette et précise pour le rendez-vous de demain. Donc c'était avec le pasteur Gérard. Et donc tout le corps pastoral sera présent. Le pasteur Mohamed Sanogo sera l'orateur principal de cette traversée demain à partir de 21h, comme l'a dit le pasteur Gérard. Déjà dès 16h, les portes sont ouvertes pour ceux qui veulent arriver plus tôt et se retrouver un peu plus en avant, ne pas avoir de soucis de je ne vois pas bien. Il faut simplement venir plus tôt et vous allez avoir la possibilité de vous installer. Dans ce rendez-vous que nous prenons avec vous en cette veille, en ce J-1, comme l'a dit le pasteur Gérard, dans ce rendez-vous que nous prenons avec vous, nous allons faire un petit bilan de l'année 2020 dans l'église Vase d'Honneur. Et quelquefois, les chiffres parlent plus que les mots donnés par des images. Alors, on va regarder cet élément qui nous résume l'année 2020 en chiffres et on se retrouve juste après. Malgré une année 2020 marquée par une crise sanitaire sans précédent, Vase d'Honneur a vu la fidélité et la bonté de Dieu. De nombreux programmes se sont tenus. De nouveaux ont même fait leur apparition. Alors que la conférence Pâques n'a pu se tenir, un nouveau programme spécial a vu le jour lors de la Pentecôte. Il s'agit d'Effusion, un programme inédit, exclusivement en ligne. Pendant plus de 6 heures, des orateurs exceptionnels se sont succédés avec un message poignant pour les enfants de Dieu, permettant ainsi à de nombreux chrétiens de vivre une Pentecôte exceptionnelle. En 2020, Vase d'Honneur a aussi enregistré deux nouveaux programmes, Prière 24 et Night Fire. Prière 24, une chaîne d'intercession en ligne en faveur des nations. Elle enregistre en moyenne plus de 800 intercesseurs par jour. Night Fire, l'école des prophètes intercesseurs, a réuni en moyenne chaque dimanche plus de 3000 prophètes intercesseurs dans le monde. 2020, c'était aussi pour les femmes des églises Vase d'Honneur une année extraordinaire. Les mamans ont diffusé 35 émissions dont 4 QR, organisé une semaine spirituelle, Léaman Wish Week, et une campagne d'évangélisation dénommée Jésus est trop chic. Par la grâce et la fidélité de Dieu, les milliers d'abonnés du MS Live ont pu avoir leur programme. 50 MS Live ont eu lieu. 2020, c'était aussi un nouveau chant et un nouveau livre pour le pasteur Mohamed Sanogo. Le chant « Abba Père » sorti le jour de la fête des Pères et le livre « 12 portes d'influence pour transformer une nation », un ouvrage à avoir absolument. 2020, c'était aussi une nouvelle campagne pour Message de vie et Vase d'Honneur. La campagne « Jésus sauve » s'est tenue à Sakasso et à Yamoussoukro. De nombreuses vies ont été restaurées et sont revenues au Seigneur. Pour terminer 2020 en beauté et posséder 2021, les églises Vase d'Honneur ont entamé 21 jours de jeûne et de prière. Assurément, 2020, Vase d'Honneur
a vu la fidélité et la bonté des dieux. Voilà, c'était l'année 2020 en chiffres. J'espère que vous avez perçu que Dieu a été fidèle en 2020. On pourrait croire le contraire, parce qu'on peut se dire que ça a été une année complexe, et pourtant Dieu a été fidèle. Et pour démontrer cette fidélité de Dieu durant cette année 2020, nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec Madame Blé. Bonsoir. Bonsoir Joël. Et nous sommes également avec Anna Telloro. Bonsoir. Bonsoir Joël. Deux invités avec nous pour témoigner de la fidélité de Christ, de la fidélité de Dieu durant cette année 2020 dite complexe. Madame Blé, on va commencer par vous. Bon, j'ai employé le terme complexe volontairement parce que je n'en trouve pas d'autre. Mais vous, comment est-ce que vous avez vécu cette année et qu'est-ce que Dieu a fait de si extraordinaire pour vous en 2020 ? Effectivement, merci beaucoup pour l'opportunité que vous me donnez de témoigner de Jésus. En effet, cette année était très particulière. Il faut dire qu'avec le corona, le vide zéro, on a vraiment eu une cadence très rythmée au niveau de nos vies. Mais par la grâce de Dieu, je voulais vraiment rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a épargné ma famille déjà du corona. Et plus particulièrement dans ma maison, quand on a repris le travail et je me suis rendue au travail, j'ai eu ma fille de 4 ans qui était restée à la maison avec le petit de 1 an et la servante. Et pendant cette journée-là, je ressentais fortement au travail qu'il fallait que je prie. Et puis vers 11h, j'ai commencé à prier pour ma maison et tout, sans savoir pourquoi. Et à 15h, j'ai ma nounou qui m'appelle, toute effrayée, qui me dit « Tanti, il y a quelque chose qui vient de se passer ». Donc vraiment, je la calme, je lui dis « Vas-y, explique-moi ». Et elle me dit « J'ai couché les enfants pour la sieste et je suis entrée dans la cuisine. À peine je regarde au balcon, je vois que la petite veut passer la rambarde ». J'ai dit « Ça s'est passé ?» Elle m'a dit « Non, tout à l'heure ». Donc j'ai dit « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Elle me dit « Non, je me suis approchée doucement, j'ai eu le réflexe de ne pas crier ». Et je lui reviens vers moi et elle est revenue. Donc quand elle m'a dit ça, vraiment, j'ai simplement dit « Mais la parole de Dieu est vraie, parce que si Amen. L'Éternel ne veille, celui qui veille, veille en vain. » Et ma fille a été gardée de ce drame et la famille a été gardée de ce drame. Il faut dire qu'on habitait en fait à l'époque au troisième étage de l'immeuble et on avait fortement reçu qu'on devait déménager depuis le début de l'année. Donc ça a coïncidé tout ça et on s'est dit « Bon là, il faut qu'on déménage. » Clairement, faut partir, là. Voilà, avant qu'il y ait quoi que ce soit. Mais on a quand même prié le Seigneur. Et puis, dans la même période, on a eu une amie qui nous disait qu'elle déménageait dans une zone où on voulait être. Et dans la même période aussi, on m'a débauchée. J'ai eu un nouveau travail Amen. Avec un double salaire. Amen. Dont on ne va pas parler, oui, on ne va bien pas donner sûr. Le montant. Voilà. Mais je suis curieux, après, en antenne, vous allez me le dire. D'accord. Okay. Et par la grâce de Dieu, j'ai déménagé en même temps. J'ai commencé le nouveau Amen. Travail et on a eu ce qu'on voulait, ce que notre cœur désirait. On voulait être dans une petite villa avec jardin. Et par la grâce de Dieu, on a eu vraiment un concours de circonstances avec le propriétaire. Et tout s'est bien passé. Vraiment, Amen. Cette année, au contraire de ce qu'on pouvait imaginer, oui. le Seigneur nous a gardés, et le Seigneur nous a enrichis, le Seigneur nous a élargis. Je veux tout simplement dire à quelqu'un que Jésus est fidèle, Amen. Quelles que soient les circonstances. Amen. Alors pour vous, elle n'a pas été complexe, elle a été complète. On va oui, dire ça comme je ça. Peux dire comme ça. Amen. Le Seigneur est fidèle. Merci Amen. Beaucoup. Vous restez avec nous, hein, parce qu'on continue de prendre des témoignages avec Anna Telloro, qui est au Gabon. Oui. Et on a ouï dire que ça n'a pas été très simple au Gabon que de vivre sa vie de chrétien qui va au culte, qui prie. Ça n'a pas été évident pendant cette période. Oui, ça a été vraiment complexe. Je reprends le mot, il est bien trouvé, très complexe. On a vécu le confinement, la fermeture des églises, le couvre-feu qui continue toujours d'ailleurs. Donc bon. C'était c'est tout un autre monde, voilà. Donc quand on arrive ici, on se dit « Ah, c'est différent ici, on est trop contents ». Je suis venue avec une petite délégation de la cellule d'honneur du Gabon et on est vraiment, vraiment très contents. Alors, de manière pratique, peut-être qu'on ne visualise pas clairement comment ça peut être aussi compliqué que de vivre sa foi pendant une période comme celle-là. C'était quoi, de manière pratique, la complication que vous viviez ? Alors, sans attaquer les non, autorités non, pas du tout, hein, que c'est je juste respecte. Un fait. Voilà. imaginez, on ferme toutes les églises et puis on vous dit, vous restez à la maison. Personne n'a le droit de sortir, sauf ceux qui sont
dit travailleur dans les activités d'ordre essentiel. Bon, par la grâce de Dieu, j'ai été caractérisée dans les activités essentielles, donc moi j'arrivais à sortir, mais toute la population n'arrivait pas à sortir, c'était compliqué. Et par la grâce de Dieu, heureusement qu'il y avait déjà Vase d'honneur online. Et vraiment, nous au Gabon, on bénit le nom du Seigneur. Mmh. C'est-à-dire, la cellule d'honneur venait à peine de démarrer. On venait à peine d'avoir un endroit pour faire le culte. On était tout contents, on va évangéliser. Pam ! Le 15 mars, allez, tout est fermé et tout. Et là, on commence à se revoir petit à petit. Et par la grâce de Dieu, on est passé de 12 à 40. Amen. Pourtant, on Amen. Était enfermés et tout. Et vraiment, oui. Heureusement qu'il y avait Vase d'honneur online. Donc, tout le monde a pu se connecter. Et nous, en tout cas, Dieu nous a bénis au travers de cela. Parce que finalement, tu es face à toi-même. C'est comme si le Seigneur a mis pause, au fait, sur la vie. Et tout le monde était à la maison. Et puis, voilà. Tout le monde se connectait et du coup, Vase d'honneur online, nous en tout cas, on bénit cette plateforme, toutes ces émissions télé, ça nous fait énormément de bien. Vous n'avez pas idée à quel point. Amen, amen, amen. Vous aurez donc compris, hein, il est important de garder ce lien avec ceux qui sont à l'étranger, en tout cas hors de Côte d'Ivoire, et qui doivent vivre leur foi, qui doivent vivre leur choix également de vie, ce choix-là, celui de donner sa vie à Christ, de le servir, de le prier, d'accroître son intimité. Et ce canal trouvé, Vase d'honneur en ligne, est une superbe opportunité. Et le Seigneur a vraiment mis à cœur au pasteur Mohamed Sanogo, le porteur de la vision, de créer cette opportunité pour tous ceux qui sont loin de la Côte d'Ivoire. Et donc, Anna Teloro a pu le vivre, hein, parce que quand on était à Abidjan, on est tranquille, on se dit... Ouais, ça va. Elle est au Gabon, elle a bien compris que Vase d'honneur en ligne, c'est une réalité et c'est extrêmement efficace. En tout cas, on est très content de vous avoir. D'ailleurs, vous n'êtes pas venu seul, vous l'avez dit, vous êtes venu avec une délégation pour prouver que même quand on est loin, on peut se déplacer physiquement pour venir vivre la traversée, c'est ça? Exactement, on est venu traverser physiquement avec vous et les autres, on s'organise pour qu'il y ait des petits groupuscules par domicile parce qu'il y a encore des restrictions qui font qu'on ne peut pas excéder 30 personnes par lieu de culte. Wow. Et bon, on essaie de s'adapter, mais voilà, ça va par la grâce de Dieu. Donc vous pouvez quand même étant loin, suivre cette traversée-là. Hein, comme l'a dit Anna Teloro, vous avez à vous regrouper devant un écran pour suivre au travers des différents réseaux sociaux, des canaux connus, hein, YouTube, Facebook, pour suivre cette traversée à partir de 21h GMT, donc heure d'Abidjan. Ça fait quelle heure 22h au Gabon. 22h, une heure en plus. Donc 22h au Gabon, 22h au Bénin. Et je m'arrête là parce que le reste, je risque de dire n'importe quoi. Alors ce qui, par contre, n'est pas n'importe quoi, c'est de vous dire comment le Seigneur a été en effet fidèle au corps de Christ de manière générale et à l'église Vase d'honneur durant l'année 2020. Au-delà donc des témoignages donnés par Madame Blay et par Anna Teloro, vous avez également l'expansion qui ne s'est pas arrêtée pendant l'année 2020. Non, pas du tout, qui ne s'est pas arrêtée pendant l'année 2020, j'y arrive, malgré les difficultés, malgré le vide zéro. Et pour en parler, qui mieux que le ministre de l'expansion, le pasteur Charles-Arthur Kouassi, pasteur résident de l'église Vase d'honneur, centre de la foi à Trècheville. Nous allons l'écouter et il va nous dire exactement ce qui a pu se passer pendant l'année 2020 pour l'expansion de l'église Vase d'honneur. Shalom à tous, pasteur Charles-Arthur Kouassi, ministre de l'expansion des églises Vase d'honneur qui s'adresse à vous. Nous rendons grâce en premier lieu au Saint-Esprit pour le travail remarquable qui a été accompli au travers de nous, Vase d'honneur, dans les nations et en Côte d'Ivoire. Beaucoup de cellules et maisons d'honneur ont été ouvertes et beaucoup de migrations en église aussi ont eu lieu. Nous voulons aussi particulièrement honorer la grâce de Dieu qui repose sur la vie de notre père spirituel, le premier responsable des églises Vase d'honneur. J'ai nommé le pasteur Mohamed Sanogo, grâce dans laquelle nous marchons et par laquelle nous obtenons justement les résultats que nous avons. Il faut dire que nous avons débuté l'année 2020 avec 107 cellules et maisons d'honneur, dont 89 cellules d'honneur et 18 maisons d'honneur. Et le Saint-Esprit donc nous a permis donc de pouvoir expérimenter 20 migrations de cellules d'honneur à maisons d'honneur. 20 migrations de cellules d'honneur à maisons d'honneur. Donc nous avons 20 cellules d'honneur qui sont devenues des maisons d'honneur de par le monde. Et nous avons aussi assisté à 13 migrations de maisons d'honneur à assemblées.
Il faut préciser que nous avons eu une ouverture directe d'église qui porte donc à 14 le nombre d'églises ouvertes suite aux différents mouvements d'expansion et à 20 le nombre de cellules d'honneur qui sont devenues maisons d'honneur. Nous rendons grâce donc au Seigneur pour tous ces pasteurs, tous les pasteurs de l'église Vase d'honneur et toutes ces églises, nos différentes assemblées qui travaillent d'arrache-pied justement à déployer, à accomplir la vision de l'expansion telle que le Seigneur l'a donnée au pasteur Mohamed Sanogo. En fin décembre donc 2020, donc à ce jour, nous en sommes à 109 cellules et maisons d'honneur, si l'on tient compte aussi des différentes migrations. Il faut préciser que pour cette année 2020, nous avons assisté à 16 créations de nouvelles cellules d'honneur. Donc au total, nous avons 109 cellules et maisons d'honneur, dont 83 cellules d'honneur et 26 maisons d'honneur. Donc 109 cellules et maisons d'honneur en fin décembre 2020 à ce jour, donc dont 83 cellules d'honneur et 26 maisons d'honneur. Ces cellules et maisons d'honneur se répartissent ainsi: 81 cellules et maisons d'honneur pour la Côte d'Ivoire et 28 pour l'étranger. Bah, quand nous disons étranger, nous parlons de tous les pays hors Côte d'Ivoire. Que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Donc, poursuivant, en Côte d'Ivoire, au 31, en tout cas à cette date, en fin décembre 2020, nous avons 64 cellules d'honneur et 17 maisons d'honneur. Et à l'étranger, hors Côte d'Ivoire, je veux dire, nous avons 19 cellules d'honneur et 9 maisons d'honneur, ce qui porte au total donc à 109 cellules d'honneur en fin 2020. Nous allons poursuivre justement aussi pour vous donner une idée des ouvertures, des migrations de cellules, de maisons d'honneur en église pour le compte de l'année 2020. Du côté à l'étranger, hors Côte d'Ivoire, une église est née à Douala, du côté du Cameroun, à Bamako, du côté du Mali, et à Tunis, n'est-ce pas, naturellement du côté de la Tunisie. Les autres assemblées vases d'honneur qui sont nées se répartissent un peu sur la surface, à la surface, on va dire, de la Côte d'Ivoire. Et nous n'allons pas nous apesantir là-dessus. Nous bénissons donc globalement le Seigneur pour ses œuvres, n'est-ce pas? Ce n'est pas la force d'un homme, ce n'est pas les capacités d'un homme, c'est simplement la grâce de Dieu, c'est simplement l'œuvre du Saint-Esprit. Et nous bénissons le Seigneur, nous croyons que l'année 2021, qui s'ouvre très bientôt, nous permettra de connaître un dynamisme accru, n'est-ce pas, pour que le nom du Seigneur soit béni. Il a dit, allez dans toutes les nations, faites de toutes les nations des disciples, et nous voulons nous déployer pour cela. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce demeure constamment sur nous, au nom de Jésus. Amen. Voilà donc. Dieu a été fidèle à l'église Vase d'honneur durant cette année 2020. On a continué à s'étendre de nouvelles cellules, de nouvelles maisons d'honneur, des passements d'étapes, c'est-à-dire de stades, de cellules à maison d'honneur, de maison d'honneur à église. Rien ne s'est arrêté par la grâce de Dieu. Vous voyez, Dieu est vraiment fidèle et il va l'être encore plus durant l'année 2021, on n'en dira pas plus. Rendez-vous demain à la traversée. Justement, pour donner la parole à nos communautés, il y en a tellement maintenant qu'on ne peut pas voir une vidéo où on va voir tous les responsables de communautés qui s'expriment, des assemblées qui s'expriment, parce qu'on ne va pas s'en sortir, il y en a beaucoup. Mais on a choisi quelques-unes. Donc, on a l'Assemblée d'Italie, c'est la Maison d'honneur d'Italie, de Genève, l'Église de Genève, et puis l'Église de Bassam. C'est à vous le micro. Donc, ces églises ont quelque chose à vous dire. Nous les écoutons. Et on se retrouve juste derrière. Ciao a tutti gli amici della Costa d'Avorio. Vi faccio tanti auguri di buone feste, soprattutto buon anno. Speriamo che il 2021 sia migliore del 2020. 2021 est une année de bénédiction, de grande victoire, de résurrection, de réveil spirituel.
2021 soit une année d'abondance, de surabondance, une année de grâce. Et cette année 2021, nous proclamons la bénédiction de Dieu, nous proclamons la protection de Dieu et nous disons que les âmes desséchées reprendront vie. Nel nome di Gesù Cristo vogliamo dare questa profezia. Fratelli, vi saluto veramente. Un'annata di benedizioni. Je voudrais, au nom de Jésus-Christ, que cette année soit une année de la moisson surabondante. Claire, pour l'année 2021, un esprit d'ouverture et de non-discrimination. Qu'à compétence égale, tous les citoyens de la Suisse puissent posséder les mêmes opportunités au nom de Jésus. Au nom de Jésus, que ma nation, durant l'année 2021, ne s'appuie plus seulement sur la science et sur la qualité de vie que celle-ci peut lui procurer, mais qu'elle revienne à la crainte de Dieu et à l'amour vrai du prochain. Et sur l'année 2021, un renouveau sur la porte de l'éducation. Je prophétise et déclare pour l'année 2021, l'Église Vase d'Honneur sera comme une zone de refuge pour tous les malades qui se tourneront vers le Seigneur. 2021, c'est une année du règne, une année de la manifestation de la puissance de Dieu et de sa dimension de gloire. 2021, et donc nous allons voir vraiment aller partout, propager la bonne nouvelle de Christ. Nous allons voir vraiment la main puissante de l'Éternel qui va agir au-delà de tout et de tout. Je vois l'année 2021 une année pleine d'espoir. Le pasteur principal des églises va tourner, le pasteur Mohamed l'a dit, la décennie 2020-2030 est décrétée décennie de la grande moisson. Et 2021, je pense que ce qui a commencé en 2020 va se poursuivre, n'est-ce pas, en 2021. Dit, nous sommes quasiment à la fin de ce rendez-vous, le spécial MAG qui vous parle de la traversée également de l'année 2020. Pour revenir à la traversée, il y a des dispositions pratiques prises pour tous ceux qui vont nous rejoindre. On l'a dit tantôt en début de programme, à partir de 16h, les portes du stade de l'université seront ouvertes. Vous pourrez donc venir. N'oubliez pas de venir avec votre cache-nez ou votre visière pour vous protéger, également les gels hydroalcooliques. Il est important aussi que vous sachiez que lorsque vous arrivez et que vous avez des enfants qui ont moins de 5 ans, il y a des espaces qui sont prévus pour que ces enfants-là puissent simplement dormir, parce que c'est vrai qu'une veillée pour un enfant qui a moins de 5 ans, qui a au-delà de 5 ans, ça peut être très compliqué. C'est au-delà de 5 ans, ça peut être très compliqué. Donc des endroits sont prévus pour que ces enfants-là puissent avoir un moment de repos sans dormir, des espaces de 1500, il y en aura plusieurs d'ailleurs, de 1500 places. Vous devez venir quand même avec une literie, donc avec un petit matelas ou une natte, avec un drap, parce qu'il peut faire relativement froid, donc il faut quand même venir avec de quoi protéger les enfants. Et pour ceux qui ont des enfants qui, comme les nôtres, là, ne dorment pas beaucoup, mais c'est pas grave, il y a des espaces prévus, père ou parent-enfant. Pour dire tout simplement, donc vous pourrez rester avec votre enfant pour quand même suivre le moment pendant que l'enfant est en train de voguer à ses occupations. Il en a. Dieu seul sait que les enfants ont des occupations. Je crois que je parle à des gens qui savent de quoi je parle. Donc, une chose est certaine, nous allons avoir plaisir à vous retrouver demain au stade de l'université pour la nuit de la traversée. Madame Blé, je vais vous donner l'opportunité d'encourager les gens à nous retrouver demain. Qu'est-ce que vous leur diriez? Alors, je vous invite à venir massivement, à inviter et surtout à ne pas oublier que c'est ce que le Seigneur attend. Il veut nous visiter, il veut nous rencontrer. Plus merveilleux moment que ce temps de la fin de l'année pour venir rendre grâce à Dieu. Alors soyez nombreux à ce moment de la traversée. Amen. Et Anna Telloro, une invitation? Bah oui, j'aimerais encourager un frère, une sœur, peu importe que tu sois en ligne ou en présentiel. C'est la fin de l'année, allez! Retrousse tes manches, redresse-toi. C'est la fin de l'année, il faut la finir en beauté. Tu as la grâce d'être vivant. Ne te fais pas raconter ce moment. Viens, porte ta plus belle tenue pour honorer le Seigneur, le remercier parce que tu es là. Et viens, que ce soit en ligne ou en présentiel, c'est le dernier virage. Il faut donner toutes tes forces là. Tu as surmonté cette année 2020. Il faut bien rentrer dans cette année 2021. Nous t'attendons en ligne comme en présentiel. Amen, amen. Alors, je rappelle, le code couleur, c'est or noir.
c'est plus d'or que de noir. J'avoue que je suis plus en noir qu'en or. C'est parce que le costume or, j'ai pas assumé. Donc j'ai mis un costume noir et une cravate or. Voilà, c'est juste pour ça. Mais c'est or, noir et plus d'or que de noir. Voilà, nous sortons des ténèbres pour aller dans la lumière parce que tout ce qui est mort doit reprendre vie. Ézéchiel 37, versets 5 à 9, c'est son résumé. Merci infiniment de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous demain, n'oubliez pas, à partir de 21h, au stade de l'université pour la traversée 2021 avec comme orateur principal le pasteur Mohamed Sanogo. Demeurez abondamment bénis et à demain.